Voilà, faut pas se poser 300 000 questions, faut juste aller là où on doit aller et se lever toutes les barrières et se dire voilà, je suis là, je dois faire mon truc, point barre, terminé. Il faut que je le fasse le mieux. Et il faut se dire, il y a un truc qu'on se dit nous quand on monte sur scène avec tout le monde, c'est je suis chez moi. Quand vous faites votre truc, là, à l'endroit où vous vous trouvez, vous êtes chez vous. C'est clôturé, c'est à vous, votre propriété privée. Et là, vous donnez ce que vous voulez. Mais voilà, je ne sais pas si ça pourra vous aider, je ne sais pas si ça marche avec tout le monde, mais avec moi, ça marche. Pour voilà. Gérer le stress, c'est vrai que c'est pas évident quoi. Quand on arrive, qu'on a un public face à nous, ouais, mais pour faut se conditionner et se dire ok, j'y vais. Ça, c'est pour moi en tout cas, c'est le plus difficile. Mais je comprends, mais heureusement. Et heureusement. Ben, le stress, en fait, ça te lève à peu près entre 50 et 80% de tes capacités vocales. Donc c'est pour ça qu'avant. Ouais, c'est impressionnant. Hein. Quand, en principe, la voix, elle part juste quand le stress s'annonce. Quand il n'est pas encore là, elle part juste avant et c'est ce qui fait que ça te donne le stress, vraiment. Et là, tu l'as et c'est pas bien. Donc, ce qu'il faut, c'est juste se détendre, se décontracter, faire des petits exercices pour se détendre le cou, tout ça, genre des petits trucs contre les murs, faire des petites bricoles. Il faut que vous trouviez vous-même votre manière de vous décontracter, et ça prend du temps, c'est sûr. Mais je crois profondément que le calme, c'est important, sans pour cela passer aux yeux des autres pour la grosse tête, pour le, tu vois. Mais ou s'isoler, ouais, sa petite bulle, s'isoler, et des sourires, tout ce que vous voulez, mais pas parler, se détendre le cou, et se dire que tout va bien, c'est pas grave, c'est juste le stress qui a gagné un peu, mais que ça va aller. On m'a conseillé le whisky. Ah non, alors voilà, alors ça veut rien dire, le vin, le whisky, le tout ça, ça sert à rien. Mais si vous avez encore trop sèche, vous pincez à la main, vous pincez comme ça. Et là, ça va faire saliver, et automatiquement, c'est très bizarre, ça va vous humidifier les lèvres et toute la gorge. Ne buvez pas trop d'eau, ça sert à rien, parce que ça va dessécher encore plus. Et fumez pas avant. Avant de chanter, fumez pas, fumez après.